Et re tout le monde, alors attendez, juste prendre ma manette. Je fais juste un petit coucou à Ayame, j'espère que tu vas bien ma chère majesté. Plein de love et de bisous à toi, comment vas-tu? Je reviens dans 30 secondes les amis, je vais juste prendre ma manette, parce que j'ai oublié de prendre ma manette, et c'est ce que j'ai à faire. Et c'est bon, tu ne fais même pas 30 secondes. Et je vais bien ma chère Yamé, j'ai vu que t'étais en live ce matin, je suis passé en lurk, mais j'ai pas parlé, désolé. Je suis passé ce matin, j'ai vu que t'étais en live. J'ai vu que t'étais en live. Hop, comment vas-tu ma chère Ayame? J'espère que tu vas bien. J'espère que t'as passé un bon live ce matin. Et d'ailleurs, si vous connaissez pas Ayame, c'est de très bons lives sur des jeux d'horreur, donc n'hésitez pas à l'avoir. Et pas que. Hop, yep, j'ai mis, j'avais pas de points de sauvegarde. Ah oui. Oui, j'espère en tout cas que t'as passé un bon live ce matin. J'ai passé en lurk parce que moi j'ai pas trop le temps ce matin. Enfin, j'étais là en lurk, mais j'étais vu. T'inquiète pas, j'étais vu ce matin en live. C'est incroyable. Comment vas-tu, ma chère Yamé? Comment allez-vous tout le monde? J'espère que j'ai passé une belle pause. J'ai pris 5 minutes. On va juste de finir les blocs catch. Voilà, je vais. Le dialogue va peut-être être pendant le jeu, peut-être à la fin du live également. Le quiz thème que je voudrais faire le 22 janvier 2022, c'est-à-dire on a milieu fin d'après, bon, on verra en fonction des candidats quel moment ils préfèrent dans la journée du samedi. Il sera trouvé un arrangement. Il nous manque deux candidats potentiels minimum pour pouvoir lancer l'émission. Et il y a jusqu'à 8 places, donc n'hésitez pas, c'est sur les films des années 90 à 2010. Pour ceux que ça intéresse, voilà, je répéterai jamais assez, mais n'hésitez pas. Donc n'hésitez. Je remets ma caméra. Je vais enlever ma veste parce qu'il fait chaud. Je sais pas, c'est vrai qu'il fait un petit peu chaud. Non, je vais laisser ma veste pour l'instant. Hop, je vais juste mettre ma caméra. Hop. Voilà, regardez, me voilà de retour. Vous un mauvais tour. Merci de rien, ma chère Ayame. J'espère que tu vas bien en tout cas. Ça fait plaisir de te voir ici, comme d'habitude, ma chère Majesté. Est-ce que d'ailleurs, Majesté ou les gens sur live, vous connaissez Ori? Parce que vraiment, je connais le jeu de nom, mais je n'ai jamais joué au jeu. C'est la première fois, enfin j'ai joué genre pas longtemps, je crois, juste pour tester, et je sais plus. Et là on va tester en grande longueur, parce que là du coup c'est le test du mois de janvier, et j'ai réfléchi, c'était soit ça, soit Drake Holo, qui est sur PC aussi, soit The Room 2, mais j'utilise The Room, ou Tales of Symphonia, normalement j'en parlais d'ailleurs, et je me suis dit, j'ai testé quoi. Puis je me suis dit, Kaori c'est un peu plus mignon, plus beau et tout. Il voulait même faire Kena au début, Bridge of Spirit, je crois, je sais plus le nom. Et je l'avais vu en boutique rétro hier ou avant-hier, je sais plus quand j'avais fait boutique rétro, je crois que c'était hier. Alors, oui, il est super beau, mais le gameplay est assez pris de tête. On va le voir dans le test d'aujourd'hui. De toute façon, on va tester ça sur 2 heures environ de jeu. Un petit peu plus, on verra. Enfin, au moins 2 heures de jeu. Et on verra ça, on va voir si le jeu il est pris de tête ou pas. Hop. En attendant, hop, je vous mets l'overlay. Je vais juste mettre. Il n'y a pas d'OST pendant les live jeux. Je viens de voir ça. Il n'y a pas d'OST pendant les live jeux. Attendez, moi qui l'ai là, mais désactivé. Oui, j'ai pas d'OST pour les live jeux. C'est bien d'avoir des dossiers parce que je vois comment c'est rangé. Ben, c'est quoi? Je vais mettre un OST. Je vais mettre l'OST. Ça, vous avez un OST le temps que je mets le jeu et tout. Hop, alors c'est OST live. Tac, pour ça, je mets le même OST. Hein. Hop, Oli, c'est Rotten Dilemma, mais OST du moment. Hop, c'est le seul que je joue sur ma chaîne. Hop, je vais peut-être le baisser un petit peu. Ouais, ça. Hop. Alors, on va démarrer Ori. On va tester ensemble. Donc, Amé nous dit que c'est un gameplay qui est prise de tête. On va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble. S'il faut, le gameplay est prise de tête et ça va pas être facile. Mais s'il faut, je vais aimer. Alors, moi, j'aime pas parce que je vais devoir regarder ma télé pour jouer. Parce que sinon, 1080p, c'est pas facile à jouer. Voilà. Donc, je vais démarrer le jeu. Hop. Ok, on démarre. On va démarrer le jeu. Il est où? Il est là. Je l'ai rangé. On va jouer à la définitive édition, évidemment, puisque j'ai les deux versions. On va faire la définitive édition. Attends-toi à mourir plus d'une fois. Bah, je m'attends. Courage alors. Courage alors, si tu dois mourir plus d'une fois. Voilà. Alors, on va enlever l'OST. Hop, on va mettre l'OST du jeu. Donc, l'OST du jeu, c'est Audio Bureau, je crois. Oui, c'est vrai que je me rappelle plus du coup, parce que. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'OST. Comment vous expliquer ça? En fait, comme j'ai deux écrans, je sais jamais c'est lequel son qui va détecter sur quel écran. Ok. Ah, les gars, j'ai pas le son du jeu, ça tombe très très bien. Comme ça, je vais pouvoir vous faire le fameux réglage dont je voulais vous parler à l'instant. Alors, est-ce que le son du jeu, il est indisponible? Il est là. Ok. Alors, est-ce que le son du jeu
On va l'entendre. Oui, on l'entend, ça. Alors, oui, c'est bon, on entend le fond du jeu. Ok, on renvoie la manette. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je voudrais ranger la résolution en 1080p. Merci. Merci beaucoup. C'est un petit décalage, dites-le-moi, et je regarde ça. Plein d'écran. On est en train de régler. On a fait la résolution. Volume effet sonore, machin, faut critiquer. Langue française, sa condition verticale, luminosité, contraste, hop, tout est bon. Si le jeu est trop fort, je le baisse. Hein. Ah oui, dites-moi d'ailleurs si le jeu est fort ou pas fort dès le début. N'hésitez pas, s'il y a des gens entre-temps qui me disent si jamais j'ai pas de retour sur ça, j'irai le vérifier avant de lancer le jeu, hein, évidemment. Pas de surprise. Hop. Je m'attends à mourir plus d'une fois, comme dit Ayame. Eh ben écoutez, est-ce qu'on lancerait pas le test du mois de janvier? Premier test. On en fera un en février, un en mars, un en avril, un par mois. Et sur YouTube, de toute façon, j'ai des tests de d'autres jeux. Si jamais vous voulez voir des tests sur ma chaîne YouTube, je vous fais la commande avant de lancer le jeu. Je vous fais des commandes maintenant. Hop. Vous vous inscrivez sur YouTube, n'hésitez pas, des let's play qui sortent tout le temps. Et là, bientôt, je vais faire une chaîne VOD. Comme ça, il y aura 4 vidéos sur YouTube qui sortiront par semaine, environ. Si tout passe bien. Plus, il y aura 4 vidéos par semaine sur YouTube, ou des fois, il y en aura 3. Et mes VOD. Voilà. Donc, il y aura les deux. Il y aura les deux, comme ça vous aurez du VOD, du gameplay, vous en aurez à foison. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube. On va lancer la partie en placement vide. Alors, la difficulté du jeu. Vie unique, non, parce que si Ayame me dit attends-toi à mourir plus d'une fois, pas de vie unique, évidemment. On est là pour tester le jeu. Donc, facile, c'est vraiment si on veut s'immerger dans le jeu tout doucement et tout. Difficile, c'est si on veut vraiment se mettre un défi, faire un let's play. Je pense que normal pour le mode test, ce serait vraiment le meilleur mode. Pour les joueurs en quête de défi, difficulté moyenne. Voilà. Je pense que rien que le mode normal, c'est déjà intéressant. Après, est-ce que vous pensez que non? Là, hop, juste ranger l'OST dans ma petite petit dossier. Pam. Comme ça, au moins, il n'y a plus le truc qui me gêne sur l'overlay. Hop. On lance en normal. Vous pensez quoi? En plus, c'est vrai qu'à chaque fois que je veux voir le chat, là, du coup, pour voir le chat, je vais aller le voir depuis mon téléphone. Enfin, non. Pour écrire en tout cas les commandes, je le ferai depuis mon téléphone parce qu'en vrai, ça coupe le son du jeu que je joue sur ma télé. Et oui. Alors, est-ce que vous pensez que la difficulté moyenne, ce serait cool? Sinon, je pars sur la difficulté moyenne. Sinon, j'ai pas de retour. Je reste focalisé. Difficulté moyenne, c'est le meilleur pour un test d'un jeu. Normal, c'est si tu veux vraiment découvrir l'immersion du jeu et tout. Difficile, c'est si vraiment t'es en mode défi, enfin, let's play en mode défi. Et unique, si vraiment t'es un pro gamer qui adore faire des jeux en plusieurs étapes, très longtemps, et tu veux vraiment montrer que tu sais affronter tous les défis. Pour ça que moi je partirais, de mon côté en tout cas. Excuse-moi, je mets mon chat sur mon téléphone en même temps. Je partirais sur le normal. Je pense que je pars sur le normal. On y va. Hop, je mets mon live, je mets juste le chat de mon live sur mon téléphone. Et puis on va. Oula, le plus est plus fort. Je vais baisser. On va peut-être baisser. On va baisser, on va baisser. C'est un peu fort. On va baisser, c'est un petit peu fort. Hop. On prend. Ori and the Blind Forest. Ok. Une petite fleur. Enfin, une petite feuille qui est en train de tomber d'un arbre. Qui se balade dans un vent phénoménal. Le vent souffla à toute allure. Et je rappelle évidemment, c'est un test, donc le bac serait un peu dommage, surtout que je ne peux pas finir le jeu, de toute façon. Je vais finir en off, je pense, ça c'est pas des jeux que je referai en live. C'est des jeux que je teste sur un seul live. Voilà. Et c'est des jeux que je n'ai jamais fait, les tests de jeu, voilà. Si je l'ai déjà fait, ben c'est plus un test pour moi, c'est une vraie découverte. Ok, c'est parti. C'est trop beau. Contrôle le monsieur, là. Oh. Contrôle le monsieur. Hop. Donc, nid d'hirondelle. Incroyable. Incroyable, mes amis. Nid d'hirondelle. Ok, donc là, le vent il souffle, mais pourtant ça lui donne pas l'avantage pour marcher plus vite. Hélas. Après, il prend son temps. Il prend son temps. Hop. Pas de blessure, pas de risque. Il a raison. À la fin, elle est là. Ok. Il va se passer quoi là? Qu'est-ce qui va se passer? La question qu'on se pose. Oh, Daru prit ma lumière en son sein. Oui, let's go. Il est tout content, regardez, il sourit. Et voilà. C'est tout, c'est la petite fleur ça qui a grandi. Comme un enfant qui était sien. J'aime bien les petits textes à la.
Je viens de me réveiller, ok. On se réveille, let's go. Réveillons-nous. Ah! Une belle petite sieste. Hop, qu'est-ce qu'il va faire de beau du coup? Il va aller voir à gauche, il n'y a rien. Alors il est touche pour l'instant, c'est juste sauter et marcher. Il n'y a pas de. Pas de touche combo, rien de tout ça. Oula! Oh. Cette musique est trop forte, dites-le moi. Dites-le moi, n'hésitez pas, même si vous voulez pas parler forcément, je vais dire la musique est trop forte, je le baisse et voilà, n'inquiétez pas. Hop. Ok, laisse-moi un arbre pour avoir une pomme. Tu vois? Faut une croix sur un arbre. Ok. Ah ça, mon PC il est synchro avec la télé, j'ai pas besoin de regarder forcément la télé. Ok. Ah, est-ce que je peux sauter ici? Oui! Oh oui, d'accord, bien. C'est un bon début là. Hein. Ok. Un petit lac. Ah! On peut pas traverser, mince. Il y a trop d'espace entre la zone de gauche et la zone de droite. Comment allons-nous faire? Eh ben, nous allons faire un pont! Un pont qui prendra 4 jours et 50 ans. Non, 4 jours et 2 heures, évidemment. Hop! Oh, c'est tellement beau. Ça fait vraiment. Je sais pas, je trouve que ça fait vraiment beau. J'aime bien. Je découvre le jeu, en fait. C'est pour ça que c'est le test de jeu de janvier, d'ailleurs. Test de janvier. Oh mon dieu, il y a de l'orage. C'est quoi qui a lancé mal? C'est des pommes? C'est des fraises? Je sais pas. En cette si terrible nuit. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Dis-nous tout! Où mes flammes embrasèrent le ciel! Ok. Ok, très bien. On va tout à gauche. Vous appelez Ori de plus belle. Oh mon dieu, les jeux de mots, j'aime bien. Vraiment bien fait. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Le ciel se casse. C'est Nord Boréal. Comment il se passe quoi là? On est dans la grotte. Fort le jeu des fois. On va peut-être baisser. Peut-être baisser un petit peu. Il est un peu fort. Hop. Ok. Là, ce sera bon. Ok, là, il le berce comme si c'était son enfant. Hop, ils sont plus là. Ok. Il le reberce. Et il est tout triste. Où personne ne me répondit. Ok. Donc là, on peut aller à gauche. Pas du tout. Il faut aller à droite. Évidemment. Et là, du coup, ils décidèrent de sortir de la grotte. Prêt à en découdre avec le monde extérieur. Pas du tout. Il a trouvé une perle. Il a pris une perle, mais il l'a reposée. Le ciel était chaotique. Comme si le monde était détruit en une nuit, évidemment. Comme si nous étions attaqués par les morts d'Harry Potter. Avec les mois qui s'égrenaient. J'ai pas vu s'il était gris. Qui s'égrenaient, je crois. Ok. Hop. Oh, il tombait. La vie c'est tuola ce fan. Oh là là, c'est tellement triste. Regardez, il est tout triste. Il reprend la bouboule. D'ailleurs, dans l'ombre aveugle de la forêt, il y a les petits passages de messages qui passent de temps en temps pour expliquer l'histoire, mais sans trop en dire, si c'est pas un mot de blablabla, c'est vraiment des petits fragments d'histoire pour raconter. Et lui, il a pris la perle, ok. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Il va grimper à la branche. Non, il va aller dans l'arbre. Ok. On va jouer maintenant, ça y est, c'est notre gameplay, là. Je sais pas. Je fais tomber des pépères, là. Ok. Mais une lueur d'espoir scintille. Et là, on va ramener ça dans la grotte de monsieur. Pourquoi il montre des anecdotes? Il est mort. Oh, il le prend comme si c'était son enfant. C'est pas on a construit le pont, ça. Mais oui.
Et ça, c'est quand il est venu m'élever, ouais. Oui, une créature là, on l'a vu. Ok, là c'est quand on a cherché de la nourriture dans l'arbre. Évidemment. Là c'est quand il m'a pris dans les bras. Et là on retourne dans la grotte. Et il est où? Monsieur? Ça va? Vous avez, hein? Oh mon dieu. Il est pas mort? C'est trop triste. On voit un vieux triste quoi. Peut-être c'est un vieux, mais c'est un vieux triste. Oh mon dieu. Tu en veux un? Non. Hé, hey, réveille-toi. Putain, il y a tout dans l'œil. Réveille-toi, je t'ai dit. T'es triste. Oh. Mais il est tout triste, voilà. Bah génial. On va pleurer tout le jeu, quoi. Oh, mais t'inquiète pas. Je pense que c'est forcément obligé. Il faut bien que... fasse quelque chose. Une âme à nouveau orpheline. Et triste aussi. N'oublions pas. Et bah, du coup, il va... Voilà, il tombe. Il descend. T'as raison de rester si bas. Ok. Et du coup, on marche tout doucement, tout triste, regardez, en mode... Ma lumière, Ori, recherche. Ah, c'est Ori, c'est lui, Ori, d'accord. Bon, je connais pas le vieux. Hein. Je savais pas que c'était du tout lui, Ori, ou quoi. Le chat, je vois, c'était bien synchro. Il prêle, pâle, presque un film. C'est parfait, mais il est tout triste, là, je crois qu'il n'est pas... en pleine forme pour avancer, le petit Ori, là. Ok. Le silence répondait mon pleur. Ah, il pleure. Il est triste en tout cas. Ça fait mal au cœur pour rien. Espoir avait quitté son cœur. Oh là là. Terrible. Pousse-moi ça. Ah. Il tient plus debout. Ça fait mal au cœur. Ça fait trop mal au cœur. Oh là là là. Allez, relève-toi, Ori. C'est pas fini. Et lorsque faiblit mon enfant. Et ben, il se passe quoi? Il faiblit, mais. Mais pas que. Hop. 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 Allez, tu peux le faire. Non, j'y arrive pas. Donne-lui un truc. Un dernier soupir se perdit au vent. Il va pas mourir à son tour. C'est quelque chose là. C'est quelque chose. Il y a une fleur qui a poussé. Il y a des fleurs qui poussent. Incroyable. Je le sens, il est fort, hein, il est bon. Je vais laisser le son, tiens. Je vais être sourd, je sais pas. Et voilà. Fin du jeu. Ma fille du jeu. La lumière à Vivori et la vie Ronaki. Pour le succès. Incroyable. Pour le succès, l'heure vient d'arriver. C'est incroyable. Ok. Partie sauvegardée. Ça y est, on est dans le jeu. La cinématique s'est terminée. Franchement, entre vous et moi, la cinématique, pas trop mal, ça va, c'était assez triste. Il y avait le côté début histoire, côté triste, côté pourquoi il est... enfin voilà, enfin, il y avait une histoire du début pour nous expliquer un peu le scénario, quoi. La clairière engloutie, incroyable. Juste incroyable. Ok, il y a combien de touches, là? Il y a juste la touche pour sauter? Parce que moi, il faut que j'apprenne les touches, là. Je les connais pas. Bon, après, je vais au jeu. Hop, ouh, je prends déjà des dégâts, c'est juste magnifique. Je connais pas les touches. Il y a d'autres touches que sauter? Bon, attendez. Là, par exemple, si je saute. Ok, je peux. Si je saute, je peux. On peut se balancer? Non, on peut pas se balancer. Ok, ça c'est quoi? Oh! Ok, ça m'a déjà tué. Incroyable, j'ai juste commencé. En tout cas, je connais pas les. Je connais pas ce qui nous tue pas en vrai. Donc là, ça va pas être facile au début. Ok.
Donc là, à droite, c'est vraiment foutu. Ok, c'est vraiment le début du début, quoi. Il n'y a rien à droite. Ok. Donc là, on peut sauter. Clairière engloutie. Direct dans la gueule du loup. Voilà. Exactement, Yamé. Direct dans la gueule du loup. Oh! Tu as trouvé un petit brasier de lumière spirituelle. Ta barre de quelque chose. On ne sait pas encore ce que c'est. T'es rempli de lumière spirituelle. Trouvant d'autres pour obtenir des points de compétence plus rapidement. Ok. Il en faut plusieurs. Ok. Le but, c'est d'en récupérer plus d'un, forcément. Donc là, il en faut deux. Parce que là, on a fait plus de la moitié de la barre. Je me fais avoir deux fois, quoi. On parle le même piège, en plus. Attendez, parce que là... pas l'atteindre ici. Hein. Ça va pas être simple, hein. Maintiens et appuie sur A pour descendre en sautant d'une plateforme à une autre. Ok, d'accord. On peut sauter en bas. Enfin, on peut aller en bas. C'est bien. Okay. Là, il y a des pics, donc c'est à gauche qu'on doit aller, nous. Ah, ok, l'eau, elle nous tue. Ah, mais... wow. Il faut savoir que l'eau, elle te tue aussi. Hein. Donc, l'eau te tue. Il y a pas mal de trucs qui te tuent pas. Ça te tue? Ça te donne de la vie? Ou ça te donne de la vie? Ok. Tu as trouvé un éclat de vitalité. Let's go. Récupère-en pour régénérer la vitalité, évidemment. Évidemment. Oh, bon, je viens de la reperdre. C'est vraiment cool. C'est pas simple hein, de savoir qui te tue, qui te tue pas. Je trouve une cellule d'énergie. Ok, à gauche, il y a les cellules d'énergie. Au milieu, il y a la boule de lumière, là. Et à droite, il y a la vie. Tu peux à présent récupérer en consommer plus d'énergie que cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. Quoi? Tu peux augmenter sur B pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. Ah, d'accord. Il n'y a pas un truc de sauvegarde? Si, il y a un point de sauvegarde quand même, non? Même si nous on jouera pas par la suite à ce jeu parce que c'est un test de jeu. Pour moi continue le jeu, ouais, j'aimerais vouloir un point de sauvegarde. Oh! Ouais, c'est du peur là. Ok, je suis mort, let's go. Oh non, j'ai fait au moins, ok, j'ai fait B, pardon. Ok, lui, on le fight. Viens là. Hop! Ok, il est bon. Voilà. J'ai trouvé de la lumière spirituelle. Ah, ok, on en trouve aussi sur les ennemis, ok. Remplis la barre pour obtenir un point de compétence. Ok. Tu as trouvé un fragment d'énergie. Oh là là. Les fragments d'énergie régénèrent la puissance des cellules d'énergie dorée. Incroyable. Incroyable. Imaginez. On a à peine commencé. On est déjà voir plusieurs fois. Le lien d'âme est prêt. Oui. Bah alors. Et alors. Je dois faire quoi? Ok. On passe level 1 des compétences. Tu as gagné un point de compétence. Let's go. C'est un lien d'âme. Et appuie sur B pour... du lien pour ouvrir, je n'ai pas vu la suite. Pas se garder. Non, je vais pas se garder. Oh. Prouesse. Ok. Ok, là c'est la carte. Oh, c'est la même carte que Guacamili, c'est incroyable. Et salut mon cher Elcor. Comment tu vas, le salut du lever des bisous. Comment vas-tu mon cher Elcor? Comment se passe ta semaine? Est-ce que ton mois de janvier se passe bien? Bonne année, bonne santé d'ailleurs à ceux que je n'ai pas revu. Hein. Oui, bonne année, bonne santé. Je ne l'ai même pas dit à Eric qui est passé tout à l'heure en plus. Mais bonne année, bonne santé, et merveilleux et que les bonnes choses t'arrivent. Comment vas-tu, Elcor? J'espère que tu vas bien. On vient de commencer le test du mois de janvier, donc un test par mois sur un jeu. C'est le nouveau truc que j'avais mis en place pour 2022. Et ce mois-ci, je me suis dit, tiens, on va tester un jeu que je connais pas, un jeu un petit peu calme, Ori. Sachant que je pense que il y aura pas que des jeux calmes. Il y aura des jeux d'horreur, il y aura des jeux d'énigmes, des jeux de drame, des jeux de policiers, de simulation. Il y aura un peu de tout. Des jeux que je n'ai jamais fait. Mieux, je suis un survivant. Comment ça? Tu as survécu à quoi? Tu n'as pas eu le variant. En tout cas, j'espère que ça va bien. J'espère que tu vas bien, mon cher Elcor, et que tu as passé une belle semaine. Et je vais faire un resto parce que Elcor, il fait des lives. Même si à chaque fois, j'ai jamais l'occasion de le voir. Parce qu'à chaque fois, on n'est pas au même timing. Et puis, un jour, j'aurai l'occasion enfin de le voir en live, Elcor. Mais c'est bonheur la chance, hein, comme d'hab. Hein. Je ne suis pas trop sur Twitch, c'est chiant. Mais je résiste. Non, je suis à ma quatrième compta. Ah oui, d'accord. Bah, courage, Elcor. Donnez-lui de la force. Donnez de la force à ceux qui sont compta et à Elcor surtout, qui est actuellement. Et puis, n'hésitez pas à aller voir Elcor si tu veux nous dire ce que tu fais en ce moment. Don't hesitate, c'est ton moment de gloire. Là, on va récupérer du coup une autre perle pour sauvegarder, c'est ça? Ah non. Appuyez sur X pour récupérer la petite lumière. Ok. Oh là, il y a une musique calme et romantique qui se passe là. Enfin, très Studio Ghibli ou ce comme ça là. Hop. Et toi, quoi de neuf? Eh ben écoute, mes forces me reviennent, je suis sane, la lumière et les yeux de l'arbre aux esprits.
Lorsqu'elle a relâché son emprise, je me suis retrouvé égaré dans ce vallon. Je peux te guider tout au long de ton périple si tu le veux bien. Mais tu entends cela? Ils ont dû te suivre jusqu'ici. Qui ça? Oula! Oula, c'est la première après le corps du coup. Oula, action. Ok, faut esquiver ça. On peut pas les tuer ça. Ok, mais ça va super elle quoi. Hein. En vrai, cette semaine on a fait les émissions de boîte, et après on va laisser. On a fait Zelda Ocarina of Time, on arrive bientôt à la fin. Et puis là on a fait l'émission de catch, et là on est sur Ori. Voilà, dernière partie de live cette semaine, après on viendra la semaine prochaine évidemment. Ah, je peux me battre! Ah d'accord, je l'avais pas vu. Ok, d'accord, je peux me battre. Ok, d'accord, bah, ça c'est facile du coup. Hop, reste appuyé sur B pour les compétences. Les lumières me reviendront. Cela, l'arbre aux esprits l'avait annoncé. Ok. Dans la clairière, au-delà des grottes, nous le retrouvons. Il y a un chemin par ici. Ok. Oh mon dieu, l'arbre il clignote comme si on avait découvert la meilleure grotte du monde. Et ça, super, on fait le point. Merci de le demander, c'est vraiment gentil de ta part. Je vais pas t'entendre de l'eau parce que forcément la gorge elle gratte au bout d'un moment, tu parles beaucoup. Alterner entre le joueur et l'objectif. Comment ça? Ah, pas mal. Pas mal ça. Ok. Retour. Reste appuyé sur B pour... Non, mais j'ai utilisé mon point. Ah d'accord, c'est un seul clic. Ok, très bien. Il ne faudrait pas avoir deux fois. Alors, on a le choix entre trois routes. Salve des flammes. Permet de lancer trois flammes avant de devoir recharger. Pas mal. La plupart des objets récupérés flottent vers Ori. C'est une sorte d'aspiro pouvoir, quoi. Aspiro objet. Permet de réutiliser les liens d'âme et réduire le temps de recharge. Permet de lancer trois flammes avant de devoir recharger. L'attaque en premier, évidemment. L'embarras du choix. On avait l'embarras du choix, c'est vraiment un très bon succès. Steam. Merci, Steam. Hop. On récupère des points. Et puis, du coup. Ça se récupère ça d'ailleurs. On va voir avec X. Est-ce que ça se récupère? Ok, c'est bon. Très bien. Allez, je file. Bon live et au plaisir de se capter. Ben, au grand plaisir, mon cher Elcor. Et puis, j'espère que tu vas bien en ce mois de janvier. En tout cas, nous, on a pas mal de projets pour ce mois de janvier. Peut-être un ou deux en février. Avec Ayame, parce que voilà. À moins que ça a changé d'ailleurs, Ayame. Je regarderai si ça a changé de date. Il y a cette fameuse histoire de Phasmo. Il faudrait que je vois Phasmo off. Ou faudrait que je fasse un truc spécial sur Phasmo, parce que pour l'instant, Phasmo, moi, je ne connais pas encore. Ah, ce soir, ça te dit un Phasmo, petit éclair? Je ne serais vraiment pas te dire pour l'instant. Là, j'hésite parce que je ne serais pas te dire si ce soir je peux. Ah ouais, donc c'est à 23h, c'est ça? Ah ouais, non, parce que c'est la seule... c'est la seule nuit où demain, je dois me lever tôt d'important. Je suis dégoûté. C'est vraiment après 23h. C'est 23h, ouais, bah ouais, je pourrais pas. Parce que je dois me lever hyper tôt demain, j'ai deux trucs à faire importants, j'ai un rendez-vous particulier qui a été reporté, je dois avoir mercredi normalement. Ah d'accord, il y a ça qui peut se tuer, ok. Attendez, bah du coup, viens voir toi mon pote. Hop, voilà, elle tombe. Voilà, comment on va récupérer nos retours. Ah, j'aurais bien voulu, samedi. Samedi, je vais essayer de voir si je te capte sur Phasmo. On pourra faire du Phasmo samedi. Samedi, c'est possible. Hop. Hop, ouais, en fait, ça, on aurait pu faire du Phasmo. On aurait dit peut-être 20h, 22h, peut-être. Mais là, 23h, c'était tard. Moi, je vais dormir vers minuit et demi par là, ça va faire un peu tard. C'est vrai, il faut que je vois Phasmo. Il faut que je vois Phasmo. Alors, le puits aux esprits sont d'anciennes structures, utilisées jadis pour traverser rapidement tout Nibel. Ok. La lumière des puits aux esprits te revigore également lorsque la fatigue te gagne. Évidemment. Complètement. Ouais. Appuie sur X pour sauvegarder la partie. Yes! On a pas de sauvegarde. Ça va être cool ça. Tu devrais le faire samedi. Bah c'est cool. Bah c'est parfait. Alors. Le lien d'âme est prêt. En fait, on a le lien d'âme, on va pouvoir faire une sauvegarde. Mais! Ok, bon, on va voir si on peut remonter notre vie si on retourne au lien d'âme. Si sauvegarde, on reprend de la vie quand on sauvegarde. Ok, ça c'est important. C'est très important pour la suite. Et en plus, on va pouvoir détruire les trucs au-dessus qu'on pouvait pas. Hop. Ok. Hop. C'est bon. Hop. On débarrasse des créatures évidemment. On va pouvoir monter des points de compétences et tout. Ça va être cool. Ça va être pas mal ce petit gameplay là. Hop. S'il y a des gens qui ont du Ori, évidemment,
Ok, bah, si t'es spoil, évidemment, pour que tu découvres le jeu, je connais pas, c'est une découverte. Et évidemment, ceux qui veulent me donner des idées de tests de jeu, pourquoi pas, je peux être preneur, hein, évidemment. T'as pas l'air de le faire, mais je peux être preneur. Ok, on monte un point d'expérience, c'est cool. Ça, c'est pas mal de choses. J'ai gagné un point de compétence, c'est un créer un lien d'âme, appuyer sur B, près du lien. Oui, ok, j'ai compris. J'ai compris. I understand. My dear. De toute façon, on n'a pas de double saut, rien de tout ça, donc on est obligé d'aller. Ça se casse pas ça. Ok, ça c'est vraiment un piège qui se casse pas quoi. Tout se casse comme ça. Les pics comme ça là au sol là, non. Appuie longuement sur RT pour saisir les objets ou les déplacer. Ah, c'est là de touche RT, ok. Ok, comme ça je peux passer en dessous. Il y aura peut-être quoi, un truc secret à récupérer. Des fragments, laisse. Non, pas du tout. Pas les fragments. Je crois que c'est les fragments de tout à l'heure. Tu as trouvé une pierre clé. Les pierres clés permettent d'ouvrir les portails aux esprits. Chaque portail des esprits nécessite un nombre de pierres clés. Tu veux des idées de jeu? Je te propose The Walking Dead. J'aimerais voir les choux que tu ferais. Ah, hélas. Je peux pas être un test de jeu parce que j'ai fait tous les Walking Dead Telltale. Donc, hélas, je ne peux pas. Il faut que ce soit un jeu que je n'ai jamais fait. Et j'en ai fait énormément dans ma vie de jeu. Donc, ça va être très dur de trouver des jeux que je n'ai pas fait d'ailleurs. Ah non, les Walking Dead, justement, j'en ferai peut-être un jour. Alors, des trois que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait, j'ai même le jeu sur PS4 en ma possession d'ailleurs. Je l'ai là rangé dans mon étagère. C'est dur hein, de trouver un jeu Telltale. De toute façon, des jeux à choix, Ayame, tu vas pas trouver. Les jeux à choix, tu vas pas trouver, je les ai tous fait quasiment. Fable! Ah! Fable! Lequel? Je peux réfléchir à le mettre un jour. Dans ma liste d'idées. Si je trouve pas de meilleur jeu, je peux mettre Fable. Fable. Non, Fable, j'ai jamais joué. Là, je peux trouver des jeux. T'as réussi à trouver un jeu. Fable, j'ai jamais fait. Non, Fable, je connais le nom parce que j'ai la Xbox. J'ai la Xbox. C'est sur Xbox. Si en plus il est facilement récupérable sur Xbox 360, je l'achèterai comme ça j'aurai la version physique du jeu et la console. Du coup. Alors le 3 c'est le meilleur, mais les 3 sont dispo sur Game Pass. Je vais voir si je peux l'avoir en physique, ce serait mieux. Bon, on verra. Allez, je vais regarder Fable. Fable, ok. Je regarderai un extrait de jeu, tiens. 5 minutes. Alors, attends, on va prendre la vie qui est là. Donc là, il y a le chemin du haut, il y a le chemin du bas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, une porte. Ce portail aux esprits nous barre le chemin. Alors, attendez, je vais voir si je peux pas agrandir sur mon PC, ce sera encore même mieux. Je puisse agrandir ça. Non, je peux pas, hélas. Je peux pas. Pas de chance. Les structures avaient été créées pour nous protéger avec le déclin. Les pierres clés dont nous avons besoin ne doivent pas être loin pour atteindre l'arbre aux esprits. Il nous faut tout d'abord traverser les grottes mystiques qui se trouvent au-delà de ce portail. Ah! On peut pas l'ouvrir cette porte. Si on peut. Ah, il en manque une. Il en faut deux. Oh mon dieu. Okay. Mais je regarderai en tout cas pour Fable, ma chère Yamé. Aucun souci dessus. On sortait de Fable bientôt. Attends, il n'y avait pas Banane Fini ou c'est une blague de mauvais goût ça? C'est dommage qu'on peut farmer. C'est cool, mais bon, moi, je suis pas. Avant, on peut farmer. Oh mon dieu. Alors d'ailleurs, on va faire une sauvegarde. Comme ça, on pourra améliorer peut-être. Nécessite salve des flammes. Augmente la puissance de la flamme spirituelle. La plupart des objets récupérés flottent vers Ori. Permet d'utiliser les liens d'âme. Voilà ça. Allez. Ça c'est bon. On est bien. Ok. Bam bam bam. Hop. On récupère tout ça. Des points de compétence. Pour plaisir. À tout le monde parmi nous. Évidemment. Hop! Et nous avons deux petites pierres clés, donc on peut ouvrir la porte du coup. Bam bam! La 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 padam! La porte est ouverte. Incroyable. Incroyable. Après, il n'y a que le dernier Telltale, la dernière saison que je n'ai pas fait Telltale d'ailleurs. Mais je le ferai en. Je crois que je le finisse en off. Il faut que je refasse le premier Telltale en live, un de ces quatre. En redécouverte. Bosquet creux. Alors là, ils sont chiants, faut le dire.
On va juste récupérer évidemment les points d'XP. Hop. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Ok. Ok, très bien. Le Yadam est prêt. Nickel. Ah. On peut pas casser ça encore? Trop tôt? Trop tôt, vous pensez? Bon. On verra. On va faire le tour. On va tout explorer avant de parler trop vite. Évidemment. Hop. Bam! Oh! J'ai trouvé une cellule de vitalité qui accroît tes réserves de vitalité, trouvant d'autres pour améliorer tes chances de survie. Ah, on a plus 3 vies, on en a 4! C'est bien ça! C'est bien, on passe de, 4, de 3 vies à 4 vies. Ça, ça va être cool. Ça, ça va être grave cool. Ok! Donc là, on peut pas y aller. Hein. On sauvegarde. Ça, ça vaut le coup, mais on sauvegarde. Il y a des créatures à battre! Hop, on prend du recul. Donc là on va vers... Attends, c'est quoi la route où on va là? Je vois que la drogue m'attaque. Grotte mystique. Ok, on s'en va vers les grottes mystiques. Je répète, les grottes mystiques sont à nous. Grotte mystique. Est-ce que vous entendez bien le jeu? Je demande à chaque fois, mais parce que j'ai un doute. N'hésitez pas. Bam, bam, bam. Ok, bam, 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 bam. Et les lanternes aussi, on peut... Ah oui, on peut faire pas mal de choses en vrai. Bam 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 bam. Ok, tout ça c'est ok. Là, la créature qui est en haut. Ok, tout ça ça tombe. Bam. On remonte notre vie. Ok. Il y a pas mal de points d'XP là, c'est cool. Marqueur pas mal, hein. C'est trop bizarre. Donc. Je trouve qu'on aurait dû faire trop facilement des points d'XP. Je sais pas si c'est normal ou si après on en aura moins et tout et qu'il faut farmer ici. Ok, c'est un bordel, il y a trop de trucs là. Waouh. Trop péré là. Ah, je sais même plus on va où. C'est un bordel. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, ceci, c'est une pierre carte. L'un des nombreuses bornes utilisées jadis comme point de repère dans la forêt de Nibelle qui essaye de s'étendre. Il en manque un morceau. Si nous parvenons à trouver un fragment de pierre carte, nous pourrons peut-être la reconstituer. Oh. Ok, il faut trouver un fragment de pierre carte. Il y en a un à côté. Ça, si c'est une pierre carte. Bon, je pense que oui, ça. Sur X pour le fragment de pierre carte. Ok, donc c'est vrai que ça marche pas quoi. J'ai tout essayé, mais ça marche pas. Ok, on va tuer la créature qui est là. Bam 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 bam. Ok. Bam 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 bam. Ok également. Hop. À partir de la semaine prochaine, je pense que ce sera pas 15h-18h, ce sera 16h-19h. J'essaie de mettre un petit peu plus en fin d'après-midi quand même pour vous. Ça sera en 16-19 et de temps en temps je fais du 15. Ouais, du 15-18 contre le mercredi si on fait des lives mercredi. La semaine prochaine on pourra faire 15-18 mercredi. Mais quand c'est en semaine on fera du 16-19. Ça sera peut-être mieux pour vous. Quand on fera un 3h de live. Puis là, 80% du temps sera entre 2h30 et 4h de live, comme vous avez expliqué il y a longtemps. Là en ce moment on est sur 3h de live, donc c'est cool. C'est une moyenne parfaite. Ok, on va en bas. On va en bas. En bas m'appelle quoi. Je sais pas en bas où. On s'enfonce de plus en plus là. Je perds beaucoup de vie d'ailleurs. J'ai pas de point de sauvegarde. Mince. Ah, il y a de la vie, il y a de la vie. Ok, il y a de la vie. Hop. Est-ce que je peux monter? Ah, je peux pas monter et récupérer les points d'XP. Non. Non. Ok, oui, forcément. Forcément. Ah oui, reviens là. Ok. Ok, ok. Ça va pas être facile. Il va falloir qu'il m'accroche. Il y avait quoi là-haut d'ailleurs? Je me rappelle plus. Ah oui, mon XP! Oh, ah oui, d'accord! Je viens de voir l'XP. Quand tu meurs, c'est vraiment comme Bloodborne ou quoi? C'est vraiment, tu reviens là où t'as sauvegardé au dernier point. Ok, ça va être moins simple que prévu. Ok, on va faire attention à notre vie en vrai. Là, la vie, ça va être vraiment précieux quoi. Ah, ça va tout tuer, mince, bah oui. Ok, c'est moi. C'est moi qui va trop vite, qui me dépêcher. On va prendre notre temps, au final, même si on recommence. Ok, on combat avec des créatures, je pense. Ok, grotte mystique. Donc là, il y a la grenouille géante. On débarrasse. Voilà, elle fait pas de dégâts cette fois-ci. Ok, c'est où j'avais vu les pics, là, ça. Hop, grotte mystique, on y est. On va commencer par la gauche, tiens. Voilà, regardez, en gauche. C'est pas possible, il nous faut deux clés. On les a pas.
Tu nous fous bien de clé. Pourquoi tu parles? On était sur la bonne voie tout à l'heure. Ok, ça sera de la vie, je crois. Pas sûr, mais je crois. Ah oui, il y a du venin. C'est pas que par. Il y a des pics de venin, ok. Bon, ok, j'ai compris ça. Je commence à comprendre des trucs. Hein. J'apprends. J'apprends le jeu. Je découvre. Ok. Hop, 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 il y en a 5. Ok, pour l'instant, on n'est pas trop mal, ouais, on peut le dire. Ok, on avait été en bas, on n'est pas été à gauche, pas la dernière fois, si. Petit doute. Petit pic de venin. Oh, il a pas me toucher. Il est très très affiché. Hein. Je peux vraiment pas aller là-haut. Ok, bon, on peut pas aller là-haut. C'est génial. On a tout un. Ok. Let's go. Ah, je prends cher. Ok, on reviendra ici si on meurt. Hop, j'espère qu'on revient avec toute notre vie hein, d'ailleurs. C'est la question de me poser. Qu'on revient avec la moitié de la vie en moins. Ok, cette fois on a fait attention. Ok, c'est parfait, on va pouvoir passer. Yes. Ok, ça c'est son. Ah oui. L'XP qui s'est mis au bon endroit quoi. Ah ouais, si j'avais l'aimant. Ok, attendez. J'ai une idée. Sacrifie une vie ou pas? Allez. Non, je peux pas. Peut-être j'aurais pris le truc pour attirer les trucs vers moi, là. Allez, Adam est prêt. Nickel. On va se faire une sauvegarde. Allez, on fait une sauvegarde ici. Hop. Ok. Certains gardèrent espoir, refusant ce destin. Ah oui, il va raconter l'histoire en continu, c'est bien ça. Tu sais qu'il est arrêté au moment où l'intro était finie, non, il va continuer à raconter son histoire pendant le jeu, c'est ça? Ça va être pas mal, si c'est ça. Alors même qu'elle les massacrait un... Ok. Qu'est-ce qui se passe? Les lumières de l'arbre aux esprits brillent chacun en chacun de nous. Il nous a permis de vivre, de nous épanouir. Lorsqu'il y a tant d'années, il a demandé à ce que nous te retrouvions. Nous avons été attaqués, blessés, décimés par notre ennemi. Il ne reste d'eux que ces arbres ancestraux. Approche et absorbe la lumière de fil, l'esprit qui gît à l'intérieur. Incroyable. Et un X. On va rentrer dans l'arbre. Oh mon dieu, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était dans Zelda Ocarina of Time. C'est récemment. Tu maîtrises le saut du mur. Ah, oh, on apprend des techniques. Le saut du mur. Vous en pensez quoi? Saut du mur. Alors, pour utiliser cette compétence, utilise ouais, en direction du mur, appuie sur plusieurs fois sur A. Ah, on va pouvoir monter du coup. Hop, 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 hop. Tadam, tu trouves une cellule d'énergie. Yeah. Tu peux à présent récupérer pour trouver plus d'énergie. Utilise des ressources pour créer un lien d'âme. On va même pouvoir, d'ailleurs, améliorer les boules de feu. Eh oui, c'est moi qui ai décidé. Les boules de feu qu'on va améliorer. Plus mal peut-être, non. Hop. Le lien d'âme est prêt. Oui, bah, après. Après, après. Bam, bam, bam. Oh, c'est tout à l'heure une shot, c'est bon. On est bien. Bam. Oh là là, on est vraiment une nuit mortelle, ça y est, on a les pouvoirs incroyables du monde. Dory, incroyable. Hop, hop, hop. Allez, prends mon XP, hop. Bon, pour monter dans le mur, ça c'est cool. Parfait. Bam. Hop, voilà, on prend l'XP à max. Hop, hop, voilà, on va prendre la gauche. Ok, c'est une grenouille, je l'ai pas vu. Ok, c'est une grenouille, les grenouilles elles font très très mal, n'oubliez pas. N'oublions le pas. Ok, une autre créature, on l'a déjà vu cette créature, c'est peut-être le boss. Hein. On se regarde ici, attends, on a moins de mourir ici en plus. Ok, on a récupéré un peu d'XP, c'est cool. Hop, ok. Ok, très bien. Faut prendre ça, je crois. Ok. Il y avait une petite pierre pour escalader, évidemment. Fallait la voir. Fallait le voir pour le croire. Ok, nickel. Hop, ok, on a une pierre à pousser. Comment la pousser, vous pensez, celle-là? On va tenter. On va tenter. Pas grave, on prend des dégâts de toute façon. Regardez.
Ok, on va sauvegarder ici. Parce qu'on a d'autres jeux de sauvegarde. On va sauvegarder là. Ok, on reviendra ici si on meurt. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Good nouvelle. Good news. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on y va les gars. Let's go, let's go, les gars, c'est parti, c'est parti. Poussez, 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 poussez. Attention, c'est pas bien grave. On y va. On arrive au bout. Poussez, poussez, poussons. On y va. Let's go. Oui, on a réussi. Hop, le point d'XP qui était ici, évidemment. On l'avait tous vu. J'espère. Pas mal. Pas mal tout ça. Ok, l'XP récupéré. Appuyez sur RT, vers la droite. Oh mon dieu. Nous avons déverrouillé un muret. Juste incroyable. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as trouvé un fragment de pierre carte. Ah, le voilà. Passer dans une pierre carte pour débloquer une nouvelle carte de zone. Magnifique. Ok. On tue lui, voilà. On s'en débarrasse. J'ai deux écrans. C'est pour ça qu'il faut voir en bas, il faut voir en haut. Peut-être pour voir c'est quoi le mieux. Ok, la grenouille. Ok, la grenouille. Pour l'instant, la grenouille, on la gère. Hein. Ça, c'est pas les ennemis les plus chiants du jeu. Loin de là. Je pas qu'on a une carte au pire, on a juste à faire ça, on regarde où on est dans le jeu, c'est si on est perdu ou pas du tout. Je sais pas combien de pourcentage on a fait de la zone, on a fait 54, hein, plus la moitié. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on a fait des trucs, hein. Ça se peut. C'est un labyrinthe tout ce jeu. On a peut-être fait des trucs. Mais avant d'ouvrir la porte avec la clé et tout, on finira de voir si on n'a pas tout fouillé, ce serait cool. Hop! Ici, à quoi? Ah, le fragment de pierre carte qu'on a vu tout à l'heure. Oui, ça en avait déjà lu. On va faire ça. Bam! Maintenant, on a débloqué toute la carte. Ah, d'accord, c'est pour afficher. Oh, c'est bien ça. Ça permet d'afficher toute la carte qui n'était pas affichée jusqu'à présent. Et du coup, maintenant, on va pouvoir voir toute la carte. Et ça, c'est incroyable. Vous pensez quoi, les gars? Les guys? Juste incroyable. On a toute la carte d'affichée maintenant. Hop, on va pouvoir récupérer ce petit fragment. Alors je sais pas si c'est une pierre clé ou un fragment, je ne sais pas trop. Mais c'est cool. C'est très cool. Alors il me reste quoi? Est-ce que j'ai visité toutes les zones? Non, il y a une zone en bas qu'on n'a pas faite ici. Là il y a une autre zone qui est dans l'eau qu'on n'a pas faite. Et merde. Ouais, d'accord, on n'a pas tout fouillé en vrai. Est-ce qu'on pourrait y revenir si mon loop... Je sais pas. J'ai un petit doute. Ok. Bon, on va voir, on va continuer, on va voir ça par la suite. Ok, on a la porte qui est là, de toute façon. Ouvre-moi la porte, voilà. Mais je voudrais voir avant si on peut pas aller récupérer ce qui nous manque là. Ori, il est là, donc il faut aller là-haut, mais là-haut c'est trop, donc il y a rien à faire. Plus tard, ça sera un raccourci peut-être. La grenouille, on l'a vu. Donne l'XP. À boule. Hop. Ok, là-haut on peut y aller maintenant, vous pensez? On va voir. On a un pouvoir là, à voir. Hein. Hop. Oh. C'est la cata. Ok, on peut vraiment pas, c'est pour plus tard. C'est pas grave. Ah, regarde, c'est d'autres chemins que j'ai loupé, il n'y avait pas que ça. Hein. Il y a d'autres chemins, je crois. En bas. Il y a un moment où on peut descendre. C'est ici. On peut descendre. Et puis au moment où on peut aller vers le bas, il y a une sorte de raccourci dans l'eau ou je sais pas trop quoi. Qui en a ouvert cette porte. C'est ici qu'il y a un raccourci. Comment tu veux qu'on aille là en bas? C'est où tu es là en bas? Heureusement j'ai failli mourir. Ok, donc c'est plus tard. Il faut qu'on ait un pouvoir pour respirer sous l'eau ou un truc comme ça, non? Ok. J'ai loupé pas mal de choses là. On verra plus tard. En vrai, on va continuer l'aventure et on verra plus tard qu'on aura plus de pouvoir. On reviendra ici. Je pense qu'on pourra revenir parce que ça m'étonnerait qu'on peut pas aller dans l'eau là. Ok, on a deux Léandum. La grotte mystérieuse. Hop. On récupère les petites perles magiques là, les perles de lumière. Je sais pas comment ils les appellent dans le jeu, mais avec une. Ok, on va chercher celles qui sont là. Bam. Bam. Ah, on peut y aller là-haut maintenant, non? Non, on peut pas.
Peut-être me courir sur les murs, mais on peut pas avoir un double saut ou quoi. C'est encore trop tôt. Les deux chemins, en vrai, ce qu'on a fait juste avant là et celui-ci, on n'a pas encore le pouvoir nécessaire pour l'atteindre. Donc on va juste franchir la porte qu'on a délivrée, on va finir ce qu'on a à finir, hein, évidemment. Hop. Ok. Et donc lui, on peut pas l'atteindre, évidemment. Ok. Ok, quoique, attendez. Quoique. Non, c'est pour plus tard. Pour plus tard, on a des... On n'a jamais été là? Ou pas? Attendez. Ça m'interpelle. Je suis violé, mais ça m'interpelle. Hop. Ok. Pour l'instant, ça va. On gère bien, je sais pas ce que vous en pensez. On va récupérer la vie qui est là, évidemment, of course. En bas? Non, pas en bas, à gauche. On va se prendre à gauche et on va aller en direction, voilà. Cette direction, là, en fait. Voilà. Alors. Attention. Hop. Voilà. Et non, oui, c'est par là. C'est par là qu'il y a un truc à faire. Et on a déjà été par là, je comprends pas. Il y a rien à faire par là, pourquoi on faut voir si on est la bonne. Il n'y a aucun but d'aller là-bas. Mais oui, c'est ce qui me semblait, c'est un bug. Il y avait un truc qui t'affichait là. Regardez, même là, ah oui, c'est le dernier point d'âme que j'ai. Ah, oh, purée. En fait, le repère qu'on cherche depuis tout à l'heure, c'est le dernier point d'âme. On avait déjà fait. On retourne pour rien en arrière. On va être trop gourmand et croire qu'il y a des ressources à récupérer alors qu'on a déjà pas mal en vrai. Ok, la suite. On y va. Ça, c'est bon, c'est officiel, c'est par là. Ok. Ok, j'en ai fait des jeux comme ça, on ne m'arrête pas. J'ai joué à Super Meat Boy, aïe bon, j'étais plus jeune. Enfin, il y a plusieurs années, je jouais à Super Meat Boy. Hop, allez, on récupère des fragments, bam. On va perdre la vie, mais on en récupère une, c'est bien ça. Il n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, on va voir, il y aura un chemin secret par là. Ah, peut-être qu'on peut faire un rebond. Le mur est... Ouais. Qu'est-ce qu'il semble. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ceci? Des portails d'énergie ont été scellés par les esprits du passé. Si nous récupérons assez de cellules d'énergie, nous pourrons les traverser. Bon, on y va. Il en manque deux, évidemment. Ils sont chiants. Il en manque deux, ils sont par là-bas, c'est sûr. Alors. Ok, il y a un truc qui est isolé là. Comment on l'atteint? Comment on l'atteint ça? Attendez, réfléchissons. Je sais même pas comment on l'atteint. Il est vraiment bien caché. Putain, on aura un pouvoir pour l'atteindre, je pense. Hop. Bam. Ça s'est débarrassé. Hop. 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 Ok, là, tu craches vite ton venin, là. Crache-le, oui. Mais crache-le. Ok, c'est bon. On va pouvoir récupérer le truc qui est là. Attention, bagne un piège. Oui, je l'avais vu. Merci de me montrer que j'ai pris des dégâts. Je le savais qu'il allait prendre des dégâts. Hop, 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 hop. Ok, cette porte-là pour l'ouvrir. Il manque une clé. Ok, let's go. Go récupérer la clé. Non, meurs pas maintenant. J'ai pas fait de point de sauvegarde. Merci. Ok, c'est juste que là. Ok. Ok. Go King Kong. Hop, hop. Hop, hop. Ok, on peut ouvrir la porte. On y va. Et à quoi par là? Oh, on arrive d'accord à la fin de la zone bizarre là. Ok. Ok. Très bien. On sort d'ici. Ils me trouvèrent inerte, immobile, accablé. Évidemment. On va le pouvoir pour casser ça, c'est cool. Il y a quoi d'autre à nous dire, monsieur? Continuez à parler. Nous firmes Maori les récits de sa volonté dévoyée. Incroyable. Allez. Cinématique là. On a une petite succès.
l'ancien, évidemment, l'ancien village dans le loup-garou de Tiercelieu, évidemment. Ori, l'arbre d'esprit, il a dû puiser dans le peu d'énergie qui lui restait pour te sauver. Approche, écoute notre histoire. C'était le soir de la cérémonie des lumières, comme élaboré nos éclats, notre éclat. Ok. J'appelais en vain mon enfant pour que me revienne Ori. Ok, la musique est un petit peu dramatique là. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors. Ok, il y a la lumière, il se passe des petites loupiottes là. Il se passe des choses. Un corbeau. Il m'attaque. Le corbeau drone. Le corbeau drone, la meilleure attaque. Hop. Ok. Le grand méchant, c'est un corbeau. Imaginez. C'est un boss, quoi. Il a enlevé un truc. Oh, le voleur. Oh, le voleur. Non, il a détruit la boule. Et il l'a jeté dans une zone. Kuro s'est emparé de Sein selon notre destin ainsi. Ah, c'est Kuro, d'accord, c'est le Kuro. Kuro, c'est l'oiseau. Ok. Tu as reçu la lumière de l'arbre aux esprits. Le sort est entre tes mains. Écoute-moi attentivement. C'est la plus haute importance. On va écouter. L'arbre aux esprits alimentait les trois éléments de la lumière qui, à leur tour, menaient l'équilibre de Nibel et protégeaient la forêt. L'élément des eaux, à la cime de l'arbre de Jinzo. L'élément des vents, dans les profondeurs des ruines éplorées. Et l'élément de feu. L'élément de la chaleur sous la fournaise du mont Oru. Pour que Nibel retrouve toute sa splendeur, nous devons raviver leur lumière avant qu'il ne soit trop tard. La première se trouve par-delà les criques arachnides à la cime de l'arbre où jaillissaient autrefois les eaux. Ok. Bosquet des creux, évidemment. Marie Malépine. Trouvez l'arbre aux esprits. Ok. Ah oui. C'est pas à côté, quoi. Mais bon. Y'a pas de nouveau pouvoir, là. Sauvegarde, évidemment. Histoire d'avoir une petite safe state, voilà. Ok, et moi ce qui me surprend c'est qu'on a des trucs qu'on n'a pas pu ouvrir quoi. Ok, donc il y a une zone pour l'instant qu'on peut pas explorer. On va continuer l'aventure, de toute façon on peut rien faire. On n'a pas débloqué de pouvoir spécial ou quoi pour avancer, hein. On n'a pas de double saut, etc. Ok, on y va. Nous sommes dans une nouvelle zone. Attention Henri, le sol est instable. Bah, je monte dessus, je saute. Voilà. Hop, la grenouille est morte. Hop, je sais pas s'il marche. Il est instable. Ah, peut-être qu'il faut que je casse le sol. Attendez. Une grenouille. Aïe. Mon dieu. La grenouille m'a fait mal. Ok. Alors la grenouille, tu peux m'avoir? Ok, elle m'a eu. Ok, il faut que je casse en bas. Bah, ça, je peux pas aller là. On va voir si ça se casse. Le sol est instable. Pourquoi on peut pas casser cette zone là? J'ai loupé une étape. Attendez, on va voir si on peut pas en level up. Peut-être pas plus tard. Attendez. Pourquoi on peut pas passer là? Là on est bloqué. On est pas bloqué pour rien. Il se passe quelque chose qu'on a dû louper. Non. Hop. Hop. Mais pourquoi on est bloqué là? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On est bloqué. Ah, je suis mort. Ok. Très pas grave. On a sauvegardé il y a pas longtemps. Je suis mort.
C'est pas grave. Par contre, je suis bloqué là. Quand on passe au dialogue. Voilà, on fait les grenouilles. Donc là, du coup, on sait pas ce qu'il faut faire. Pour le moment, c'est point d'interrogation. On peut pas aller là. Ok, en fait, on peut farmer nos XP ici en s'occupant des grenouilles. Regarde. Une grenouille apparaît, on va le et on XP. Bon, c'est nul hein, de faire ça, mais au moins pour un point d'expérience, ce serait cool. Attendez. Ah oui, attendez, la grenouille! Celle qui a cassé le sol! Bah oui, c'est la grenouille qui casse le sol! Bah oui, j'y ai pensé. Bien vu, bien vu, bien vu, le Don Alex. Évidemment. Non, mais non plus. J'aurais dû XP avant. Tant pis. C'est le jeu. Ok. Partie sauvegardée. Ok, est-ce qu'on aura le fameux pouvoir pour casser les briques? Anneau, l'esprit mort ici était fort et courageux. Écoute sa voix, il était capable de concentrer notre lumière. Ok. Ok, on y va. Allez, que Anneau apporte son pouvoir et sa lumière. Incroyable. Nous sommes maintenant level up. Bonjour. Je maîtrise la compétence flamme attisée. Pour l'utiliser, appuie longuement sur X pour la charger, puis relâche X pour déclencher l'explosion. Ok. Est-ce que ça casse les pierres qu'on vient d'avoir là ici? Oui! Ok. J'aurais dû m'en douter, évidemment. On m'a dit avant. Hop, ok. Ok. Casser ça ou pas? Ah oui, comme ça, évidemment. Bam! Et oui, voilà, tout l'XP qui arrive et tout. Allez, on va monter d'un level. Non, mais oui, j'ai juste monté un level. Compétences. La plupart des objets récupérés font verrouiller. Maintenant, il faut qu'un point de compétence, donc on peut y aller. Hein. On peut y aller. On va débloquer ce truc-là, comme ça, c'est fait. Et création d'un lien d'âme, réduit une cellule de vitalité. C'est bien ça. C'est bien, ouais. Ouais, tous les trucs vont être bien, tu vois. Je pense que c'est le truc à chaque level que tu as édité pour monter un truc. Et tout va être bien. Bam. Très bien, très bien, très bien. Là, on va pouvoir revenir en arrière. On va pouvoir aller voir le grand arbre pour sauvegarder. Comme ça, on aura fait notre sauvegarde. Et on aura récupéré tous nos points d'âme. On y va. Let's go. On synchronise avec l'arbre central, quoi. C'est ouf. C'est juste ouf. Pas arriver mieux. Ok. On va aller voir à droite. Non, là, on peut vraiment pas. Quoique. Non, on peut pas. Pourquoi j'ai utilisé mon point de sauvegarde ici, moi? Mais j'ai vraiment pas d'intérêt à faire ça. Quel but? Il n'y a pas de but précis, à mon avis. J'ai fait une connerie, c'est tout. Ok. Ok. On peut aller par là, on n'a pas été par là. On peut pas aller par là, on peut aller en bas. On peut aller en bas. Oh! Tu as trouvé un grand brasier de lumière spirituelle. T'as. Jeu de lumière, on va dire, rempli de lumière spirituelle. Trouve-en d'autres pour obtenir des points de compétence plus rapidement. Ok. Ok. Ok, en fait, une boule est égale à une explosion. Non, je viens de le comprendre. Ok. Il faut que ça soit raccourci, hein. Comme ça, on pourra retourner en arrière après. Ça, c'est le truc qu'on avait vu un peu plus tôt dans l'aventure, on ne pouvait pas passer parce qu'on n'avait pas le pouvoir. Hop, maintenant on a le pouvoir, on peut. Non! Terrible. Ok. Ok, on va aller là. On va libérer le pont-levis là. Ok. Let's go. On va aller tout là-haut. Hop. Hop.
Nickel, là on a fait le pont. On va pouvoir passer. On va pouvoir passer maintenant, c'est ok. Juste avant, je vais aller, je pense, en arrière, enfin en arrière, pour aller au grand arbre, sauvegarder, entre guillemets, pour récupérer une perle, pour en vrai casser le truc en bas pour le raccourci, comme ça on est tranquille, c'est fait, et puis on progresse un petit peu l'aventure centrale. Évidemment. Hop, sauvegarde. On a nos deux perles, on va pouvoir casser du coup le petit raccourci. Est-ce qu'on avait autre chose qu'on pouvait faire aussi avec cette explosion là? Il y avait là. Et là, il nous fallait quoi? Je sais plus trop. Ok. Bon, peut-être pour plus tard. Alors, on va aller en bas. On va aller là. On va aller encore plus bas, évidemment. Ok. Ici. Ici et encore plus bas, et c'est là qu'on peut exploser le truc. Et là, j'ai ma boule, donc bam! C'est bon. Un peu raccourci, c'est bon. Parfait. La grenouille! Ah, bien joué pour le dégât. Et hop, un peu d'XP. Et pourquoi ici on pouvait pas y aller quoi? Ah, ok, ouais, c'est vrai qu'il faudrait un truc avec un double saut, etc. On n'a pas encore le double saut, et donc du coup, quand on va pouvoir nager sous l'eau, avoir le double saut, on va pouvoir finir cet endroit à 100% du coup. Là, il est trop tôt, hélas. Hélas, hélas. De toute façon, on ne le fera peut-être pas nous aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps. Quoique. Ça dépend dans combien de temps on débloque tout ça, évidemment. On débloque ça en 5 minutes, ça se peut qu'on aura le temps. Ok. On recontinue. Double saut ici. Enfin, les sauts dans le mur, voilà, hop. On va faire évidemment une petite sauvegarde ici. Une petite sauvegarde ici. Voilà, à moins qu'on n'utilise pas de truc d'âme. On va pouvoir passer par là du coup. Tuer ça. Quand on aura un double saut ou un saut spécial, on pourra aller là-haut. Vous l'avez tous vu, je pense. Oh, bien vu. Bien vu, j'ai pas vu les petites bouboules là. Enfin, j'ai vu qu'ils étaient là, mais j'ai pas vu que ça allait pouvoir me faire des dégâts. Peu d'XP évidemment. Hop, 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 hop. Hop. Hop, c'est dur, c'est dur. Ouais. Je me concentre. C'est pas dur, mais il faut me concentrer. Hop. Hop, voilà. Oh, oh non. Non! Les jeux de plateforme. Les jeux de plateforme dans les jeux vidéo, ce que j'ai jamais aimé. J'ai du mal avec les jeux de plateforme. Vous l'avez vu quand j'ai joué à. Enfin, les gens, ils l'ont vu, ceux qui m'ont vu sur YouTube quand j'ai fait. Ça me fait un manque de slip et quand la vidéo le sortira, vous allez voir, j'ai vraiment galéré dans les plateformes. Ah oui, d'accord, c'est des petites créatures qui sont grosses en vrai. Il y a des débits qui font tout ça, ok. Pas simple. Et je peux sauvegarder ici du coup. Bien vu. Bam. Explosion. Bam. Pas du tout. Me fait tout sauf une explosion. Ok, génial. Je suis bloqué parce que je n'ai pas le pouvoir. Il va falloir retourner en arrière. Ça va être vraiment cool. Il va galérer tant pour revenir en arrière. Ah, je vais mourir. Oh, purée, bordel. Ah, ça va être le bordel. Pour revenir en arrière, ça va être le bordel. Il va falloir faire attention à ma vie. Hop, 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 voilà. On a fait le ménage, ouf. Vite, vite, retourner au grand arbre avant que je meure. Ok. Donc voilà au grand arbre. Heureusement qu'il est pas loin. Heureusement qu'il est pas loin. Ouh, on sauvegarde. Allez, on récupère tout. On retourne. Là, on fait casser la plateforme. Et puis on continue l'aventure sur... Ori and the Blind Forest. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté, les amis. Ce jeu, il est super bien. Il est cool. Je vais finir en off, évidemment. Pas aujourd'hui, pas les prochains mois, je vais désinstaller. Mais je sais qu'il est là, que j'ai commencé. J'ai une sauvegarde sur le cloud de Steam. Je vais juste aller continuer à un moment donné. Je viens de finir Resident Evil 0 il y a pas longtemps. Je vais pas faire un jeu PC dessus. Je vais aller sur la Twitch avant. Je crois.
C'est la bonne compétence. Ah oui, bah j'ai. Oh oui, je viens de voir ça, oui, bien vu. Attention, pas faire trop con ici, parce qu'il y a ça à utiliser. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Quoi? Oh non, j'ai compris. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Je l'avais pas compris comme ça, moi, ouais. La créature de l'air, vous avez une cellule de vitalité. Okay. Voilà, ça va nous aider, ça. Quand on va utiliser un lien d'âme, on pourra remonter de la vie, c'est cool ça. Ok, on va essayer de monter les attaques maintenant. Parce que là, les ennemis vont être de plus en plus chiants et forts. Hop, comme ça on fait du bas. Bah voilà! On monte vite l'ISP, j'ai l'impression, dans le jeu. Presque c'est mon avis, je sais pas. Je pense que l'ISP est vite montable. Bon, bah voilà. On va faire une petite sauvegarde. On va remonter nos liens d'âme, notre vie un petit peu. Bon, la vie est au maximum, donc pas besoin. On va monter tout ce qui s'ensuit, quoi. Le 2020 là. Hop! Incroyable! Hop! On retourne! Une troisième fois à l'endroit où on est marre derrière, quoi. Et bon, ça va être la bonne. Ok. Non, c'est pas par là. C'est plus haut. Bah oui, c'est plus haut, je me trompe de chemin. Je dis bien, c'est bizarre. Non, il faut remonter le pont, là. Le pont d'Avignon. Bah oui. Faut remonter le pont d'Avignon. Sinon, on fait ça pour rien. Hop. Hop, hop, hop. Ok. Remontons le pont d'Avignon. Alors là, faut pas faire un vaisseau. Ah. Bien vu sur la plateforme. Hop. On va faire attention à lui. Il est tout en morceaux. Et ça, c'est pas facile à esquiver. On a beaucoup de bouboules. Ça nous connaît pas l'XP, je trouve que c'est vraiment une bête d'XP le machin. Ouais, il fait du bas encore pire. Non, j'ai fait une connerie, Ah oui, j'ai fait une connerie. Je peux pas éclater les boules, voilà. Je peux bien. Hop, 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 hop. C'est bon, voilà. Oh non, il y en a un autre. Oh purée, j'ai failli mourir. Allez, faut qu'on casse ça maintenant. Bam, c'est bon. À un moment donné, faut qu'on avance. Hop, très bien. Attends, il y a des points d'XP, je viens de le louper là, ça c'est... Non, je me reconnais pas, comme plus de points d'XP comme ça. De la vie, nickel. De la vie... Il y a un boss. Il y a un méga cocon. Ouais, ça sent pas bon du tout. Hein. Ça sent pas bon du tout. Ok. On va mettre... Ah, ils vont mettre la cinématique. Ok. Très bien, très bien, très bien. Bon, là, on va faire attention à nos... Oh, une deuxième fois dans la mort. Ouais. Évidemment. J'ai mis 203, on me dit. Il va encore mourir une troisième fois. Non. On va là en haut. C'est mort. Non, on va en haut directement. Il y a une araignée en plus, là, on l'a vu. Donc les araignées vont être chiantes aussi. Ok. Ah oui, ils font mal les araignées. Oh, oh mon dieu, elles font 2 de dégâts, je crois. Ok. On va s'amuser. On va s'amuser dans les profondeurs du temps avec les araignées et tout. Hop, tac, 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 tac. Oula, tac, 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 tac. Ok. D'ailleurs, je fais une pause 2 secondes, les amis. J'ai fait un truc de mon côté. Hop. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. Voilà. Voilà, je vais faire un truc sur mon overlay. Vous verrez pas parce que c'est un truc invisible à l'appareil sauvage. Mais je fais un petit changement qui impacte personne. Hein. C'est juste pour être tranquille. Parce que je voulais le faire de toute façon. Souvent quand je fais les tests de jeu,
ou quand je ferai des jeux en vrai, peut-être aussi, je vais voir. Alors, non, je sais pas ce que je vais faire. Ok, il faut 4, il faut qu'on ait plus de. Ok. Trop tôt. Trop tôt, tu vas voir. T'es dessus? Tu peux escalader ça? Oui! Ça s'escalade, le machin! Ah, ok. GG. Ok. Là-haut, il y a quoi? Je peux pas l'avoir, ça. Non, bah non. C'est inattrapable, ce machin. Alors. Ça fait chier. La chaise que je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, s'il faut casser le truc là-haut, je pense que c'est le seul truc là à faire. Mais est-ce que c'est le seul truc possible en vrai dans le jeu? On a vu comment il faut reculer pour détruire ces bouboules là. C'est juste incroyable. Bon, après vous gagnez max XP, donc quand vous l'avez fait, vous quand même gagnez des belles récompenses. J'ai les deux bouboules? Ah, j'ai les deux bouboules, nickel. J'ai les deux bouboules. On va pouvoir aller détruire là-haut le. Pas le cocon, mais la plateforme qu'on avait vue là qu'on pouvait pas atteindre. De droite là, qui est juste à droite. Voilà, celle-là. Hop, on détruit ça. Mais non. Mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est bon, j'ai réussi. Ok, j'ai eu peur. Désillusion. La plus totale. Qu'est-ce que c'est? Ouh, tu trouves une cellule. Oh, bien vu ça, la cellule de vitalité qui a, au bon moment, qui accroît tes réserves de vitalité, se faisant d'autres pour améliorer tes chances de survie. C'est juste incroyable. Il vient de se passer en direct vidéo live. Il vient d'améliorer notre vie, quoi. C'est magnifique ce qui se passe, là. Ok. Je regarde, évidemment. Plaisir. Ah, d'accord. Je peux casser le cocon. Depuis là-haut. Là, je sais pas comment on pourra aller là, d'ailleurs. Ok, l'XP. Voilà, on se garde. Non, une grosse bouboule qui explose. Il faut revenir en arrière, là. Pas le choix. Allez, c'est parti pour le combat contre l'explosion la plus incroyable du monde des jeux vidéo. Où tu recules le plus, d'ailleurs. Ok. Et récupérons tous ces XP, voilà, ça fait plaisir, on se régale. Par contre là je suis bloqué, hein. Ah non, bah pas du tout. Attendez, hop. On va aller chercher l'XP là-haut, bah oui, on va aller chercher l'XP. On peut se farmer hein, ici, hein, des points de compétences et tout pour améliorer notre personnage, ça c'est cool. Après est-ce que ça va nous avantager pour la suite? Je ne sais pas encore. Un mystère qui me reste encore... Incomprise. Ok, je vais faire un truc. Je vois que ça se clignote à certains moments. Ok. J'ai fait des pièges qu'il fallait peut-être pas faire. Mais je l'ai fait. Là, à mon avis, il va falloir un pouvoir spécial qu'on n'a pas, genre une boule qui se charge et qui se tire quand on est à l'envers ou quoi. Ok, pour l'instant, c'est plutôt correct ce qui se passe. Plutôt pour améliorer notre personnage en plus. Ok, donc là je crois qu'on peut aller en bas. Hein. Ok, on va être sur le cocon. Ok. Ok, les araignées, ils attaquent. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal la petite idée là de mettre un ennemi. Des ennemis araignées là. Non, pas bien pensé de la part du jeu. Ok. Hop. De la vie ça? Je sais pas du tout. Fais pas gaffe si c'est de la vie ça. Tiens. Hop. Ok, on esquive. Hop l'araignée. Ah elle va nous faire mal. Aïe aïe aïe, elle fait mal l'araignée. Hein. Elle fait très très mal. Elle nous fait un double dégât. Bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Hop. Hop. Et re ma chère Yamé, ça toujours. Oula. Moi, je vais mourir. J'espère que tu vas toujours bien. Là. Ça commence à être galère. Hein. Là, on commence à arriver dans des zones un petit peu galère, ma chère Yamé. J'imagine même pas. Hop.
Mais pas mal pensé les boss, hein, pour l'instant, les araignées, tout ça là. Wow. Explosion nucléaire, wow. Incroyable. Oula. Ok. Comment ça va sinon? Je me fais violencer pour pas m'endormir, pourtant j'ai dormi pas mal ce matin et 2 heures cet après-midi. Ah mais des fois tu sais, on dit qu'on a bien dormi et tout, et malgré tout le corps il veut pas qu'on... C'est ça qui est incroyable. Donc, des fois c'est notre corps qui réagit à notre place, hein, t'as vu? On veut faire un truc, mais au final, ce qu'on va faire, c'est pas ce qui va se passer. Ça c'est... C'est pas simple. Tiens. Hop. Hop. Ok, je mets les petits cris qui fait... Ori. Hop. Alors, visualisons la map un petit peu, tiens. Hop, en bas, on n'a pas été voir. On va aller voir en bas, tiens. À mon avis, il va falloir que je me fasse ma prise de sang. Ah bah oui. Faut comprendre. J'espère que ça va bien se passer, ta prise de sang. Tout va bien. Je vais vous piller. Aïe, 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 aïe. Ah ok, j'ai pas vu. On a des points d'amélioration. On a dit qu'on améliorait le feu. Pour l'instant, c'est pas mal. Cette partie-là, c'est quoi? La plupart des bonus s'affichent sur la carte. Ah, ça peut être bien, ça. Ma prochain truc, c'est ça. On a deux fois. Ouais, non, c'est le... Ma courage, ma chérie. Ok. Je pense pas qu'il y a un truc à faire ici. Je pense pas qu'il y a un truc important. Enfin, pas un truc de ouf à faire, quoi. Ok. C'est ouf. On se regarde où, d'ailleurs. Ah, bien, ça. Bam. Bam, 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 bam. Ok, l'XP encore. Bam, 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 bam. On va passer à droite, tout ça. Je pense que c'est trop... On est passé plus de vitesse pour aller plus haut. Par contre, on continue comme ça. Hop. Ok. Viens voir mon pote. Ok, bien joué. Il est bon, il est bon. Ah, il faut une mini-carte. Il faut un fragment de carte. Que je n'ai pas encore. Évidemment. Bam. Eh oui. Explosion du millénium, évidemment. Attends, pour l'avoir, il faut que je récupère. Pour récupérer, il faut que je prenne un autre chemin, apparemment. Un chemin qui n'est pas encore accessible. Alors qu'il est accessible, mais plus tard. Enfin, je vais essayer de brain le jeu. Non, je pense pas que le jeu il a été conçu pour qu'on se brain. Il a été pensé. Il a été pensé pour que tout soit calculé, t'inquiète pas. Eh oui. Il faut aller chercher le truc en haut. Pas enfin, moi, là-haut. Là. Non, pas du tout. Alors? Hop, très bien, je suis pas mort, j'étais mort. Hop, est-ce que je peux y aller là? Non, c'est plus tard, on pourrait y aller. On va peut-être casser tout ça, et on va peut-être traverser la zone, tiens. Bam, ok, on y est. Il y a plusieurs zones à faire ici. On va trouver un moyen de sauvegarder, très bien. Et là, en vrai, on pense à aller loin, 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 là, et on va pas sauvegarder depuis un moment. Ok, ok, ok. Oula! Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est de la résistance de malade. Hein. Oh! C'est donc de la lave. La lave du Don Alex. Quel voleur. Ok, bon, il y a l'âme est prêt. On va pouvoir sauvegarder. Ça, c'est cool. Ok. Ça, c'est sauvegardé. Ah, pas mal, pas mal. Un petit cube de lave. Oula! Bonjour! Monsieur le boss bizarre. Les mini boss là mais qui font vraiment mal à mon avis. T'as pas le temps de se reposer ça. Voilà, voilà les gars. J'espère que ça nous donne un bon truc à arriver. On va voir dans un autre chemin qu'on connaît pas du tout. On est en train de faire le voyage dans le jeu là. Vraiment là on voyage. Je vois qu'il est déjà 16h. Non 17h21. Voilà, on a quand même fait plus de 3/4 du jeu d'aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, du jeu. Moi, en tout cas, bon, je le dis là pour tout le monde. Moi, je trouve que le jeu, il est plutôt bien. Il est pas mal. Il est assez cool. Il peut penser un peu à Guacamelee sur certains trucs. Sur certains trucs, hein, attention, ils sont pas à Guacamelee du tout. Hein. Pour ceux qui connaissent Guacamelee, je ne l'ai pas comparé à Guacamelee, hein, mais hop, il y a des points qui peuvent penser à Guacamelee. Pire carte? Ouais, pire carte. On va pouvoir le mettre juste après. Hop.
Et franchement, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de jeu. C'est que là, il y a un chemin, on va peut-être pouvoir y aller plus tard là-bas. Et qu'en vrai, tu vas rechercher de cette zone-là, il faut te le pouvoir pour avancer et tout, donc il faudra que tu reviennes plus tard. Ah mince, j'ai débloqué le pouvoir, j'ai oublié qu'il y a une zone à débloquer et tout. En plus, ça te fait revenir en arrière et tout, donc même quand tu dis mince, le linéaire il est peut-être plus court que prévu. Mais tu sais que t'as encore le secondaire à te faire et c'est ça qui est cool dans ce genre de jeu. Moi, j'aime bien. Il est plaisant. Après, forcément, il peut pas forcément toujours facile. Je peux comprendre ce que Yayame quand il dit que le jeu est pas simple. Je peux comprendre. Mais d'un autre côté, il y a pas mal de belles choses sur ce jeu qui est intéressant. Ok, là, on est sur la carte de délivrée. On a des chemins qu'on n'a pas pu débloquer ici, évidemment. Voilà, ici, aussi en bas, il y a des chemins. On va pouvoir revenir en arrière, c'est cool, on va pouvoir revenir plus loin en arrière et tout. Ça va être cool. Et bonjour à tous, salut mon cher Jamsa, comment il va le bras droit de la Familia, comment il va du Loïdé? Bisous, comment il va le brato de la Familia? C'est pas du tout ça, mais. Ça va super mon cher Jamsa, nous on est sur Ori, le test du jour est Ori. Enfin, il est pas horrible, hein, mais il est Ori. Mais en tout cas, il est plutôt cool, je disais juste à l'instant, et je suis en train de tester ça. Et on est en train de découvrir le jeu, enfin, les gens parmi eux, et leur cœur, et quelques personnes qui sont sur ce chat, qui viennent découvrir le jeu, donc j'espère que tu vas bien. Comment allez-vous? Ça va super, Jamsax. Un très bon jeudi, saupoudré d'un bon week-end qui arrive à l'horizon, évidemment. Je profite quelques instants quand même, parce que j'ai quand même joué pas mal, je peux faire un petit moment de pause, 5 minutes, pas 30 secondes. Voilà, si vous connaissez pas le Jamsax, évidemment, allez le voir, grand joueur d'Apex. Mais il fait énormément de jeux différents et de temps en temps, vous pouvez découvrir sur des jeux qu'il lui découvre lui aussi, comme moi d'ailleurs. Des jeux un peu plus récents, ou pas forcément. N'hésitez pas à voir Jamsax, il y a du love et des bisous. On prend petit à petit les lives. Doucement, mais sûrement, comme dirait tous les gens, quoi. Exactement, voilà. Hop! Est-ce que ça donne de la vie ça? Non. Week-end qui arrive à l'horizon, exactement. Exactement, voilà. Exactement à l'horizon. Et en plus, très bel horizon parce que Ori, franchement, pour le moment, alors là il y a un chemin, il faudrait que je regarde comment y aller d'ailleurs. Pour le moment, il ne me déçoit pas le jeu, il est plutôt cool. Plutôt cool. Bon, bien sûr, c'est pas le meilleur jeu du monde, loin de là. Mais il y a pas mal de belles phases de gameplay qui sont intéressantes et tout. Et c'est ça qui est grand moyen dans ce genre de jeu. C'est qu'on pense en vrai qu'au début ça va être dur ou alors pas mal de choses du genre ou alors linéaire ou quoi. Non, il y a vraiment de la variété de monstres, des variétés d'attaques, de pouvoirs à débloquer, un peu comme Guacamelee. Moi j'adore Guacamelee donc forcément Ori me parle plus. Et voilà, c'est mon type de jeu. Et d'ailleurs, d'une fois que je disais, je réfléchissais, je pense que les lives du. Quand je liverai par exemple, bon, c'est rare que ça arrivera le premier live de la semaine, mais. Les lives de type que je fais de 15-18 heures la semaine, j'ai peut-être passé à 16-19 heures. Parce que je sais que les gens ils bossent aussi le jeudi, le vendredi, le lundi, mardi. Donc j'ai peut-être plutôt visé une autre période d'horaire les lives que je fais à cette heure-là. Enfin plus 16h-19h. Ça enfin, sera peut-être mieux. Après non parce que mon PC le soir il bug un peu et tout. Enfin il bug pas mais plus compliqué. Donc, je disais que j'avais peut-être changé mon horaire. Je peux casser ça. C'est la question que je me pose. Est-ce que le Don Alex va pouvoir casser ça? Pas du tout, tu vois. Pas du tout, ça se casse pas, évidemment. T'es sûr quelle plateforme? Merci pour le SO, au grand plaisir, au grand plaisir, Jamsak, attends. C'est toujours plaisir. Alors, je suis sur quelle plateforme, d'après toi? Je suis sur PC, sur Xbox, sur PlayStation, sur Switch? Je vais deviner. Aussi, je pense à faire du 16-19, hier, on parlait hier. C'est bien, on va faire une fois par semaine du 16-19, hein. Enfin, janvier-février, parce que mars. Je pense que je vais passer un live par semaine parce que je suis en stage. Et puis, tant que j'ai pas déménagé, je ne devrais pas rester sur deux lives par semaine. Je devrais quand même faire pendant un live par semaine. Ah, je vais me faire bully comme ça tout le temps là. Ok. Il revient. Petit coquin. Rage de la lave, c'est le Don Alex. Il se transforme en boule. C'est mon fils. C'est mon fils. Voilà, on a tué mon fils. Comme ça, c'est vrai, c'est une bonne horaire. Comme ça, après, je ne mange pas trop tard. C'est vrai que tu peux manger juste à 19h. C'est vraiment l'heure parfaite pour manger, d'ailleurs. Waouh! Ultra laser! Oh purée, c'est Kaorin! Oh, il y a Kaorin dans le jeu, quoi. Il fait des attaques ultra laser. Oh purée, on doit esquiver Boule à facettes et Kaorin. Deux boss après.
Il y a aussi volcan de lave. Ça va faire un truc. Hop. 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 Bah alors, il meurt pas lui. Voilà, bien vu. Ok. Pour moi, le trader sera un colosse. C'est vrai. Mais il y a une petite fille à forme de. Quoi de. What the. Mais il meurt jamais lui, il est immortel. On est tombé sur la créature la plus puissante du jeu vidéo, quoi. Elle meurt jamais. Voilà pourquoi. Oh là là. Ah, cette phase, elle va être dure, hein. Faut la curer, hein. Ok. Il est pas mort! Incroyable! Et l'XP. Il vient de l'XP. Alors attendez, on va sauvegarder ici. Vous êtes prêts? C'est vrai que c'est plus dans la colosse, hein, quand tu réfléchis. Allez, Kaorin! On esquive Kaorin! Vite, 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 vite! Kaorin esquivé. Waouh! Mais Kaorin est puissant! T'as vu ses attaques? Oh putain, on est dans une phase de. Alors, on est dans une phase du jeu qui a l'air d'être dure. Hein. Oh, ça a l'air d'être hyper dur ici. Hein. On a rigolé, hein, jusqu'à présent, dans le jeu. J'ai l'impression que c'est. Oh! Waouh! Ok, vite, Kaorin! Esquive, 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 esquive! Ok. Très bien. Ah là 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 là! C'est du Danin Retry. Clairement, on est dans une phase de Danin Retry, là. C'est pas une blague. Faut esquiver Kaorin. Attention. Ah mais quand il explose. Ah oui, quand il explose en plus, je dois pas être dans la zone. Oh, ça va être trop dur. Là je sais même pas, faut que je réfléchisse à une stratégie pour le tuer sans sauter et prendre la plateforme. Bah esquiver, mais esquiver de quelle façon? On va faire un truc. Ah il est trop loin. Là c'est bon, il prend le mur. Il prend pas le mur. Là il prend le mur. Il prend pas cette vitesse. C'est bon. On l'a eu. On l'a piégé. On peut garder. On peut garder, on fout. Bordel, rien de tel pour rager. Bon, ça va, moi j'ai. J'ai vu Pierre. Quoi? Bloqué? C'est pas la bonne route. Attendez. Ah, ok! Bien. Faut qu'il vienne. C'est lui qui me casse ça, non? Ah non, c'est pas Patrick qui me casse ça, c'est impossible. C'est impossible, attendez. Faut que je réfléchisse là. Ah, peut-être que c'est bon là. Faites voir. Bah non, il va pas venir là. Oh purée, on est bloqué. De nouveau. Dans Ori and the Blind Forest. Ouais, il faut vraiment qu'il saute au bon moment, quoi. Non, il se place de. Il va pas aller là, il va pas aller là. Bah là, je sais pas comment on passe, du coup. Je n'ai pas l'astuce, je suis en train de regarder la map. En bas, on peut pas y aller, c'est la même chose, c'est bloqué. Est-ce qu'on a bloqué un pouvoir? Est-ce qu'on a oublié un pouvoir, vous pensez? Il y avait beaucoup de routes à prendre. Là, c'est forcément par ici, à gauche. Tatatin, c'est pas facile, hein. Tatatin. C'est vraiment pas simple parce qu'en vrai, j'ai l'impression qu'on est bloqué. Mais on l'est pas. C'est qu'on l'est pas. C'est juste qu'on a pas une technique et tout. Il va pas jusque-là. À moins, j'ai une idée. J'ai une idée. Non, ça marche pas non plus. C'est il met un coup de boost ou quoi là, non. Je savais pas. C'est une histoire avec Kaorin. Hein. Non, c'est pas Kaorin. Ok. Peut-être. Il explose là. Petit Kaorin. Allez, Kaorin. Ou alors. Il fallait que je lâche un méga turbo ici et bam! Ah bah non, c'est impossible. Hop! Allez, charge-moi ça, mon pote! Non, il veut pas. Clairement, il veut pas là. Ok.
Kaorin, il est toujours là. Reviens un peu en arrière. Il sautera pas ici. Ah non, Kaorin, il sautera pas ici. Bon, je reviens en arrière. Là, clairement, on est bloqué. Ah! Viens là, toi. Viens là. Venez là. Vous voulez pas venir là? Ok, ils veulent pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, oui, elle parle par rapport à moi. Le fait que quand tu bloques comme ça, ça peut être rageant. Là, je réfléchis à comment avancer, excusez-moi. Et vous, je parle pas parce que je réfléchis. Et j'ai le level up au passage. LOL, son jeu, je sais pas comment il fait pour garder son calme. Tu sais, j'ai. Après ma post Twitch, je me suis dit, je vais plus rager sur un seul jeu. Faut pas rager beaucoup, quoi. Ça. Puis là c'est un test de jeu, donc je sais que je dois pas le finir le but, hein, c'est de tester. Je sais que peut-être que je vais rester bloqué ici jusqu'à la fin du live, hein, je sais pas. Je vais peut-être demander une solution après, hein, si y a quelqu'un qui l'a. Je vais tenter, tiens, je vais tenter ça. J'ai la technique, enfin j'ai une technique. Quelle marche, je suis vraiment chanceux. Attendez, alors déjà on va casser ça. Ça marche pas. On va la tenter ici. Boule, saute. Ça ne marche pas non plus. Ok, mes deux techniques ne marchent pas. Bah ça c'est génial. Bah là, c'est pas passé là. En ce moment, beaucoup de monde tourne dans les jeux. Tourne dans les jeux. Comment ça, mon frère? Yardati. Ah oui, on retourne dans let's play. Oui, bah bien sûr. Ah bah il faut. Bah là c'est pas un let's play, hein. Là c'est un test. C'est le test découverte. Après en let's play, il y a Zelda et Pokémon. Pokémon. J'ai formaté mon PC avant pour voir si je peux recruter Pokémon. Et je voudrais bien avancer Pokémon. Demain, toi. Oh, bah nice. En après-midi. En après-midi, tu vas faire ça. Hop. Ah, bah. What the fuck? Oula, 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 non, non, non. Ah, ça, c'est Kaorin. Ok, il y a Kaorin dans les parages. What the... Mais je comprends plus rien à ce jeu. Mais je comprends plus rien. Au secours, on sait plus ce qui se passe. C'est ouvert. Ok, donc je peux mettre du turbo à la bouboule. Mais Kaori ne me battra jamais. Regardez la puissance du mec. Il est un titan colossal. C'est Kaido, quoi. On peut pas battre Kaido. Comment je passe ça? Au secours, comment je passe ça? Au secours! Mais regardez le truc! Comment je le passe lui? Ah, peut-être le retour de Kaorin? Ok, attendez, j'ai une autre idée pour le passer. Ok. Ok. Bah, comment j'ai fait tout à l'heure? Comment j'ai fait tout à l'heure? Je comprends plus. Je... Ah si, mais si, j'ai pas fait comme ça, j'ai pas fait comme ça. Comme ça, non? Attendez, je m'en rappelle plus. Je suis perdu. Comment j'ai fait? Ok, c'est pas comme ça. C'est dur. C'est clairement dur. C'est hyper dur et ça va être, on va peut-être rester là, je pense. C'est dur. C'est très dur, je pense que je passerai pas ce passage. Vraiment, il est imposable. Faut vraiment se concentrer et parager. Là, je rêve pas, hein, mais faut vraiment être trop concentré. Il est trop dur, ce passage. Il est hyper dur. Ah, quoique. J'ai réussi. Ok. Pas du tout. Pas ici du tout. Ok, j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai essayé une autre méthode là. En vrai, je vois pas. J'ai pas la solution. Je l'ai pas. Là, vraiment, c'est. Là, je suis bloqué. En vrai, là, j'ai pas d'idée. Hormis qu'on me donne la solution, si quelqu'un veut la donner, il peut, parce que là clairement, c'est impossible. Je n'arrive pas à gérer.
Mais attendez, parce que là, en vrai, le problème, c'est que je voudrais faire un truc. Mais je peux pas sauter au-dessus. Est-ce que je peux faire... Ouais, je me doute, t'inquiète. Je sais que vous avez pas la solution, de toute façon. Ouais, de toute façon, là, ça va être très compliqué d'aller plus loin. Ça va être très compliqué d'aller plus loin. Le Don Alex échoua en test de jeu à ce moment-là. Hop. Et je rappelle qu'il y a évidemment le quiz thème le 22 janvier 2022. Si des gens veulent participer, n'hésitez pas. Il y a encore de la place, il faut qu'on soit au moins 4 évidemment pour lancer l'émission quiz thème du 22 janvier. Incroyable. J'ai dit les termes. Mais non, tu vas réussir. Mais il est dur. Hein. Discord exactement. Voilà, si vous voulez en avoir plus sur le quiz thème, j'ai mis des infos sur le Discord que Jamesack vient de partager. Merci beaucoup le James, c'est le boss. Comment on passe ici? Attendez, je vais faire une sauvegarde là. Quistem. Non, pas encore de commande. Je voulais en faire une d'ailleurs, mais j'hésitais. Oh! Il a fait une technique de la mort là. Technique de Kenshiro. Mais non, il aime pas casser. Ok. On va tenter autrement. On va tenter le brain de la mort. Ok. En vrai, il faut vraiment que je donne du boost. Hein. J'ai pas le choix. Ça va, il arrive, je saute. Et bam 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 boost, là on recule, et là bam bam boost, ok, je l'ai pas. En vrai, quand il est dans son nid, il est bloqué, donc je peux mettre du boost dans son nid, et j'envoie à gauche. Non mais c'est, il n'y aura pas le temps, il y aura plus de boost actif. Regardez, il explose quand même ici. Alors je saute en lui jetant les boules. Ouais, c'est bizarre, hein, dit comme ça. Comme ça, regarde, hop. Non, il explose. Ah, j'ai oublié. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, évidemment, le fond de James. Regarde, il y a le fond de Nachi maintenant. Mais j'ai vraiment que Nachi le bête pour qu'on découvre. Nachi, elle a ajouté son son, d'ailleurs, elle m'a passé son son. Et je l'ai pas encore écouté, d'ailleurs. Même si je l'ai ajouté, je l'ai pas écouté. Il a réussi? Oh, non. Comment je pourrais casser ce truc là? Comme ça. Évidemment que non. Ça marche pas comme ça, hélas. Ah, j'ai une idée! J'ai une idée, attendez. Ah oui! L'explosion a cru. Non, mais il explose vraiment là. Bon! Bon. Bon, bon, bon. Ah oui, c'est ce qu'on fait longtemps que j'ai pas entendu. Ok. Ok. Ok, ok. Bon, on va aller pas plus loin. On a, je trouve qu'on a bien avancé. On a fait. Voilà, on va être bloqué ici. Bon, voilà. Le test se termine sur un blocage. Mais bon. En tout cas, c'est un très bon jeu. Hormis que là, c'est bizarre. Bon. En vrai, si j'aurais été bloqué comme ça sur un let's play, j'aurais regardé la Solus YouTube, mais bon, là, vu que c'est un test de jeu, on va pas aller plus loin. On va arrêter là le test. Alors, comment se passe pour les tests? En fait, une fois de temps en temps, comme ça, voilà, une fois par mois, il y aura un moment dans un des lives où je vais faire un test de jeu. Alors, en vrai, je pensais pas qu'Ori était dur, je pensais pas qu'il était dur, je pensais que c'était vraiment un jeu chill, pas mentir. Mais bon, on va éviter les jeux durs, hein. On va éviter un maximum dans les tests, mais il y en aura de temps en temps, comme là, Ori, on a eu du coup. Mais bon, une note sur 10, 7. 7, ouais, parce qu'il est bien, mais il n'est pas facile à comprendre des fois. Il est bien, il est beau, il est bien en main, mais je mettrai un 7 parce que il n'est pas facile à comprendre. Il y a des énigmes un peu compréhensibles. Mais bon, il sauvegardait ici, de toute façon, je reviendrai ici dans tous les cas. De mon côté, alors, on va juste quitter le jeu. Vous inquiétez pas, je vous abandonne pas comme ça. Je suis pas. Donc, c'est sur PC, hein, Jamesack. Je pose la question sur cette console, c'est. Regarde, sur PC. T'as la preuve ici. Commande, je suis sur PC. C'est réglé. Ah, il s'en sort bien avec un 7. Ouais, quand même, c'est un bon jeu. Très bon jeu. Mais pas facile. Les 3 qui manquent pour le 10, c'est parce que c'est un jeu pas facile à comprendre. C'est pas un jeu dur comme Bloodborne ou quoi, mais c'est un jeu où il y a des complications à comprendre par moment. Hop, regardez. Hop, on reprend pas le live, évidemment. On va, tac, faire une fin de live. Je vais démarrer mon petit OST. On va discuter rapidement parce qu'il y a le quiz thème, évidemment, qui arrive prochainement. S'il y a des gens qui veulent participer, n'oubliez pas, hein, vraiment, le quiz thème, c'est ouf. Voilà,
Hop, hop. Et je vais enlever juste pause live. Voilà. Le live se termine ici, comme il écrit, évidemment. Non, il y a un overlay de fun live, vous avez vu, c'est juste incroyable. Je remets ma caméra avec le fond vert. Merci énormément pour être venu regarder le live en l'heure. Vous avez peut-être discuté, faire un petit coucou. Vous êtes venu montrer comment tout vous allez, etc. Le live devait finir vers 18h, mais bon, là, le test est bloqué et qu'il reste 20 minutes, on va pas chercher 20 minutes la soluce. S'il resterait une heure, on aurait peut-être regardé, mais là, il restait pas 20 minutes. On va plutôt arrêter plutôt que prévu, c'est pas grave, au moins, on a testé le jeu, c'est le principal, c'était le but de cet événement. On fera un live, du coup, les amis, ce lundi à 19h, je vais confirmer fin de semaine là sur Discord, c'est bon, pour faire une coopération normalement avec monsieur Emule-moi sur Opération Tango. Et oui, c'est un jeu en coop, vous allez voir, c'est un PC incroyable. Donc, on ira sur Opération Tango ensemble. J'avais un Twitch quelque part, mais je le retrouve pas, donc c'est pas grave. Ah si, mais il est là mon Twitch. Je vais voir s'il y a des gens, juste comme ça, je vais voir si j'ai envie de raid quelqu'un ou pas, je vais voir s'il n'y a pas un copain qui en est. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir, il y a Pink Chamallow. Il y a Pink Chamallow. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on aille voir Pink Chamallow? C'est vrai que j'ai pas l'occasion de l'avoir beaucoup. J'ai vu qu'il y a Romu, il y a Pink Chamallow. Je sais pas s'il y en a des deux qui va. Ouais, c'est la fin d'une sac, c'est l'as. Vous savez quoi, on va aller voir, Pink Chamallow. Ouais, tiens. Pourquoi pas. Romu, je pense que lui, vu l'heure, il va peut-être sur la fin de live. On va éviter de prendre le risque. Hop. On va aller voir les amis de la Chernati. On va aller en faire un raid. Voilà. Allez, merci à vous. Donnez du love. En tout cas, Pink Chamallow. Et les très gentils, voir. Et vous, très souvent Apex, comme Nati. Donnez-lui beaucoup de love et de bisous. Merci à vous. On se retrouve dès lundi. Il n'y aura pas de live ce week-end. J'en fais que deux par semaine pour le moment. Et ça va pas durer très longtemps. C'est pour reprendre le rythme au début que je fais de live, pour reprendre les rythmes des émissions, etc. Après, il y aura une fois deux lives, une fois un live, une fois trois lives. Ça dépendra des mois et des événements, et si j'ai vraiment du temps pour moi, parce que j'ai aussi mon stage en mars pour ma formation. Donc, c'est pas facile, le live, et il y a plein d'autres choses aussi. En tout cas, prenez soin de vous, prenez plein de love. Si vous voulez avoir la rediff, tout est sur YouTube, tout est sur Twitch. N'hésitez pas. Merci à vous d'avoir été présent, merci à vous d'avoir suivi les émissions. Je vais couper d'ores et déjà la caméra. Je vais couper après le micro et vous laisser avec l'OST de fin de live. Parce que l'OST est juste incroyablement belle. Et on se retrouve dès lundi. Ciao tout le monde, passez un bon week-end. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et évidemment, faites attention avec le vaccin et tout ça. Faites attention. Bonne soirée, prends soin de toi aussi le James. Merci à vous, merci aussi à Yamé. Et prenez soin de vous. Et merci à ceux qui sont en l'heure également. Vous êtes aussi adorables que tout le monde. Le micro, on se retrouve rapidement chez Pink pour faire un coucou. Ciao.